Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un mini haul Action. Voilà, je suis allée à Action aujourd'hui faire 2-3 courses. Et en même temps, j'ai vu 2-3 choses qui m'ont intéressée. Alors, la première, je vais vous montrer tout de suite. J'avais dit que je regarderais si je le trouve. Et j'allais peut-être le prendre ou pas, je ne savais pas encore. C'est ça, c'est le Hit Embossing. Voilà. Donc, c'est pour faire de l'embossing. Il y a l'embossage, l'embossing. Il est tard, il est 21h40. C'est pour faire de l'embossage, voilà, donc c'est un kit complet. Moi j'ai déjà à peu près tout hein, que j'avais acheté à Lidl il y a 3 ans je crois. Bon, ça va toujours, mais bon, bah, du coup j'aurai quand même celui-là en cas où le mien tombe en panne. Il y a Fifi qui commence à passer. Ah, Fifi, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Hop, attends. Attends. Viens là. Bonjour les copines. Bonjour les copines à maman. Ça va? Bonjour les copines à maman. Pardon. Donc, je l'ai pris. Je vais vous le montrer. Non, ne fais pas tes griffes sur les feuilles parce que je vais en avoir besoin. Et donc, je vais vous montrer ça plus en détail après. Alors, ensuite, j'ai repris un scrapbook comme ceci. Alors, vous avez déjà vu, hein, j'en avais déjà un, puisque c'est celui où je suis en train de faire l'album de mes poilus, de mes toutous, Fifi, tout ça. Et là, je me suis dit, je vais en reprendre un. Je l'aurai d'avance. Enfin, j'aurai d'avance, je sais pas, parce que bon, j'hésite toujours pour mon album de mariage. Je sais pas encore si je fais, bon, j'ai pas énormément de photos hein, pour mon mariage. Je sais pas encore si je fais un album moi-même ou si je fais un album comme ça que je vais décorer. Donc c'est pour ça, je vais voir. Alors voilà, donc là j'ai pris le tout simple, le tout noir. Donc il y en a qui sont décorés hein, avec des petits points argentés, il y en a en couleur marron, comment on appelle ça ce marron là, je sais plus, bon soit. Donc il y a plusieurs modèles, voilà, il y en a que c'est avec des écritures, etc. Donc celui-ci a des pages noires, voilà. Donc ce n'est que des pages noires avec un... Oh, je trouve pas mes mots ce soir, c'est une catastrophe. Avec une spirale, voilà. Et donc celui-ci a combien de pages? Je vais vous dire. Alors ils disent 40 sheets. Donc 40 sheets, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, ça doit dire 40 feuilles je pense, voilà, 40 feuilles ou 40 pages, voilà. Donc il est en promo, alors aujourd'hui on est samedi, donc oui, il est encore en promo, je l'ai payé 1,99 €. Voilà, son prix normal c'est dans les 2,40 € je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'en ai repris un. Et mon œil s'est arrêté sur ça. Sur un agenda. Alors c'est un style agenda. C'est un agenda style planeur. Voilà. Donc. Du coup, je me suis pris. Bon, avant j'en avais des planeurs et puis bon, je m'en servais pour ainsi dire pas, je les ai revendus Puis là, je me suis dit, je vais prendre celui-là. De toute façon, vu le prix. Donc celui-là, le prix 3,69 €. Voilà. Donc il est écrit 2021 dessus. Donc pour celles qui aiment bien les planeurs, il tient avec un élastique. Et voilà. Donc à l'intérieur, vous voyez, ça fait vraiment comme les planeurs. Vous avez des petites pochettes ici. Vous avez une petite pochette là. La petite règle. Après, vous avez l'intercalaire marqué calendar, donc calendrier. Et vous avez le calendrier. Donc là, vous avez... Alors, je regarde. Parce que je n'avais pas encore regardé. Donc, il y a les calendriers annuels. Voilà. Vous avez une carte du monde. Après, bon, le problème c'est que c'est pas écrit tout le temps, c'est pas écrit en français, hein, donc les premières pages, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il faudra que je traduise, vous voyez. Bon, celles qui comprennent l'anglais. Et voilà, donc l'agenda, donc là c'est un agenda comme ceci. Donc c'est bien pour ceux qui n'ont pas grand chose à écrire comme moi, hein. Voilà. Donc ça commence bien sûr au mois de janvier. Et ça se termine en décembre bien sûr. Mais il y a des petites pages en 2022. Alors. Hop, allez, viens là. On a les deux premiers jours de 2022 à la dernière page, voilà. Et après, voilà, vous avez 2022 comme ceci. Ensuite, vous avez pour marquer les adresses et numéros de téléphone. Je le découvre en même temps que vous, hein. Là, vous avez notre intercalaire marqué notes. Donc là, vous avez des pages comme ceci, lignées pour mettre des notes. Donc il y en a quand même pas mal, hein, vous voyez. Il y a quand même pas mal de pages. Et ici, à la fin, pour faire des to-do list. Voilà. Donc, il y en a quand même aussi, je sais pas, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a une vingtaine de pages. Donc, en les notes et les to-do list, il y a une vingtaine de pages. Voilà. Ici, donc là, à la fin, par contre, il n'y a pas de pochette. Mais vous avez un petit encoche pour pouvoir y glisser un stylo. Voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis le stylo avec, mais bon. Voilà. Donc moi, je vais le décorer un petit peu, hein, pour qu'il soit un peu moins sobre. Alors, je l'ai vu donc en noir et en gris. Le gris est un petit peu argenté. J'ai pas vu d'autres couleurs, donc je ne sais pas s'il existe, s'il existait en d'autres couleurs. Je n'ai vu que ces deux couleurs-là. Bon, j'ai choisi le noir, j'ai trouvé ça plus neutre. Donc voilà. Donc ça, le mini planeur, c'est 3,29 €. Voilà. Donc pour celles qui aiment bien les planeurs, je trouve qu'il est pas mal. Voilà. Donc, on va regarder de plus près notre boîte. Ah, j'ai un ciseau là. On va regarder déjà ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'il y a dedans, ils disent qu'il y a le pistolet thermique, il y a 2 fois 10 ml de poudre embossée. Donc les poudres embossées, c'est doré et argenté, si je ne me trompe pas. Un marqueur acrylique à double extrémité, 2 tampons encreurs, il y a 4 cartes pliées à 6 blanches, 4 enveloppes blanches à 6, il y a le mode d'emploi, et il y a 10 fois des motifs tampons clairs. Donc il y a 10 tampons dedans. Alors, je vais vous basculer, ça ira mieux pour que vous voyez. Donc voilà, hein, donc c'est la boîte. Donc on va sortir ce qu'il y a dedans. Alors, on a d'abord le mode d'emploi. Hein. Bon, pour celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, moi je sais déjà comment ça marche, donc... Mais donc vous avez l'explication, j'espère qu'elle est en français pour vous. Oui, voilà, donc vous l'avez ici en français. Les tampons, alors je vais mettre sur du papier blanc pour qu'on voit bien. Alors un petit chat, les petits chats chinois là qui font comme ça avec leurs mains. Un happy birthday, I love you, des petites étoiles. Une petite étiquette, un petit rhinocéros, un good luck, thank you, un croissant de lune et un petit cœur. Voilà. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça, 10 tampons. Ici, on a donc les cartes et les enveloppes. Voilà, donc c'est des petites, hein, mais enfin, sont déjà pas mal. Là, donc, on a le marqueur. Alors, comme il disait, vous voyez, il y a deux embouts. Donc, ici, le gros, en forme de grosse pointe. Et ici, le fin. Donc, avec ce feutre-là, vous pouvez écrire directement sur votre papier. Bon, ça va faire transparent, hein, bien sûr. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez peur de vous tromper, faire au crayon gris, par exemple, très fin, marquer votre phrase. Repassez avec ce marqueur sur votre phrase et après vous faites votre embossage. Voilà. Ici, les poudres embossées. Donc là, on a l'argentée. Bon, c'est des pots de 10 ml, hein, mais la poudre embossée, ça s'use pas très vite, hein. Voilà, et ici la dorée. Donc là, vous avez les 2 tampons encreurs. Voilà, donc c'est de l'encre transparente, hein. Et le pistolet. Donc voilà, le pistolet thermique avec son petit support. Voilà. Donc c'est un 300 watts. Voilà. Donc vous avez le câble et alors je cherche voilà, le bouton marche arrêt. Alors là, il n'y a qu'une vitesse, à ce que je vois. Moi, celui de Lidl, j'ai 2 vitesses. Donc là, il n'y en a qu'une. Bon. De toute façon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, bon, je vais passer sur les cartes. J'ai pris du papier noir pour que vous voyez mieux. Et je vais prendre une feuille. Je me prépare et on se retrouve tout de suite. Allez, voilà, je suis prête. Donc, par contre, j'ai oublié de déballer les tampons. Alors, on va faire le Happy Birthday déjà. Bon, quand ils sont neufs, c'est toujours un peu difficile. Faut pas avoir peur. Voilà. Alors, ensuite... Ah ben, ils sont emballés, voilà. Non, pas emballés, si. Il y a du plastique autour. Oui. Alors, désolé, vous entendez des chiens peut-être aboyer à travers la vidéo. C'est dehors. C'est les chiens du quartier, des voisins, je sais pas. Justement, quand j'ai coupé la vidéo, je suis allée voir par les fenêtres de mes chambres en haut. Qui se passait, mais bon, on ne voit rien. Tous les chiens du quartier qui aboient en même temps. Donc voilà. Bon, la boîte est pas trop solide, mais ah, j'aurais dû prendre mon mince, j'ai pas pris. J'aurais dû prendre un. Alors attendez, je vais me débrouiller. Je ne vais pas remonter, mon mari dort. Ça y est, on va se débrouiller. Alors, normalement, on le met sur un petit plexi. J'ai rien sous la main, là. Non. Bon, ça fait rien. Allez, on va le faire à l'ancienne. Donc, vous mettez bien... Bon, normalement, vous ne faites pas dans ce sens-là. Hein. Mais là, c'est parce que j'ai pas pris mon support. Et du coup... Alors, je vous referai, puisque là, je vous fais vraiment à l'arrache, d'autres tutos embossage. Voilà. Alors, je sais pas, voilà, vous voyez? Donc, c'est transparent. Bon, là, je sais pas si j'en ai mis assez, puisque j'ai pas pris mon support, mais on va voir. Donc, après, on prend sa poudre. Alors, on fait attention de ne pas en mettre partout. On met une feuille de papier en dessous. Et là, hop. Donc normalement, il y a, on peut mettre du talc avant, tout ça. Mais là, bon, j'ai pas tout mon matériel sur moi. Je suis dans la salle à manger, donc... Hop. Sinon, je vais aller chercher, mais bon, je vais bien voir. Et on récupère sa poudre. Voilà. Alors surtout, n'oubliez pas de fermer ça avant de faire marcher votre pistolet, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Mais là, je crois que je vais aller chercher un support après en haut. Désolée pour le bruit, hein, mais ça fait du bruit. Bon, donc là, il n'est pas de bonne qualité parce que j'ai pas fait comme il fallait. Mais je vais aller chercher en haut ce qu'il faut. Voilà. Pour voir si vraiment c'est la qualité vraiment de la poudre, parce que là je peux vraiment pas bien la voir. Je vais chercher ça. Donc voilà, j'étais chercher en haut ce que j'avais besoin, ce sera mieux. Alors ma plaque, bon, elle est toute crados, hein, mais ça c'est rien. Mon talc, alors j'en ai deux. Alors j'ai celui-ci. Donc de cette marque-là, si vous voulez, je regarderai si je le retrouve sur Amazon ou sur un autre site et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc c'est une petite pochette comme ça, donc il y a du talc dedans. Alors celle-là par contre, vous voyez, il y a vraiment, il y a beaucoup de talc dedans. Et j'ai celle-ci qu'une amie m'avait fait. Voilà. Allez. Donc, bon, celui-là est plutôt raté. C'est rien. On va reprendre un papier. Donc, on va prendre un petit papier pour essuyer. Gras quand même l'encre, je sais pas, on va voir, sinon je ferai avec mon encre à moi après. Donc on peut utiliser celle-là, on peut utiliser pas mal d'encre, plusieurs encres. Il y a la, c'est parce que j'en ai plus, la, ah je sais plus le nom, je vous le mets en incrustation, voilà le nom. Je commence à perdre la mémoire, hein. Il faut des encres qui ne sèchent pas rapidement. Voilà. Voilà, je ne sais plus l'ouvrir. Ah, voilà. C'est quoi ça? Ah, mais il ne veut pas tenir sur ma... Il ne veut pas tenir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas tenir, mais bon. Donc, en premier, hop. Donc, je vous dis, j'ai pas tous mes outils ici en bas, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Le principal, c'est que je veux voir comment, si ça marche bien. Je trouve l'encre un peu collante. Mais... on va voir par rapport avec le mien après. Donc voilà. Donc on va mettre la petite poudre. Pas non, c'est, je crois que l'encre est pas top, hein. Vous voyez, c'est pas top top. Après, on va essayer avec la mienne. Mais je la trouve très collante. On dirait plutôt une colle qu'une encre. Allez, on va la sécher. Bon, le pistolet, lui, va bien. Ouais. L'encre pour mettre la poudre n'est pas top du tout. Hein. Ça fait plein de... Alors, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, c'est pas régulier. Alors maintenant, on va le faire avec mon encre à moi. Je vais essuyer. Le tampon. Donc là, bon, moi c'est une encre noire là pour l'instant. Donc il y en a des transparentes aussi. Hein. Mais bon, j'ai pris tout de suite celle que j'avais sous la main en haut. Voilà. J'essaie de vous le montrer, mais bon, c'est pas facile. Je nettoierai mon tampon après. On va remettre de la poudre. Même la poudre, hein. Voilà. Alors j'ai remarqué, bon là c'est encore la même marque, c'est Craft Co encore. Hein. J'ai remarqué que quand on va sur leur site, à Craft Co, ben, ça coûte 10 fois plus cher. J'ai vu ça cette semaine. C'est déjà plus régulier. Bon, la poudre n'est pas de première qualité non plus, la poudre d'embossage. Voilà. Vous voyez? Et je vous remontre l'autre. Je vais vous les mettre comme ça pour que vous voyez la différence. Donc là, fait avec ici l'encre d'embossage d'Action. Et celui-là fait avec une encre toute ordinaire, la Colorbox, donc voilà, que j'avais dans mon atelier. Voilà, donc on voit bien la différence hein, quand même. Bon, le principal c'est que le pistolet fonctionne bien. Et maintenant, on va essayer la dernière chose, le crayon. Bon, on va garder le même papier, hein, je ne vais pas user du papier. Voilà. Alors, on va écrire mon prénom. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc, pareil, un peu de poudre. Donc, avec le kit de Lidl, j'avais exactement la même chose. D'ailleurs, c'était les mêmes petits pots. Vous voyez, ça tient pas, donc il faut en remettre. Voilà, là c'est déjà mieux. C'est du Action. Voilà. Je peux pas dire mieux. Les poudres d'embossage, il en existe des très bonnes, à un très bon prix, avec et que c'est de la marque hein, sur internet. Bon, vous pouvez vous faire la main déjà avec cela. Hein. Voilà. Bon, c'est pas du 100% nickel. Là, je vais dire, c'est pas beau. Hein, ça ne me plaît pas ici. Là, bon, c'est déjà mieux puisque avec mon encre à moi. Là, avec le stylo, c'est moyen. Le problème c'est que le produit, les encres qu'ils ont mis dedans n'adhèrent pas assez pour la colle. Voilà. Et là on voit bien que, alors je vais essayer de pas vous de faire de flou. Vous voyez, on voit quand même des petites traces. Vous voyez, c'est pas régulier. Voilà. Mais bon, c'est pas du matériel de marque, hein, voilà. Mais bon, donc je vais pas dire que c'est un flop. Je vais pas dire non plus que c'est un super top. Le pistolet en lui-même, ça va. Il fait son job. Les pains d'encre d'embossage, pardon, je les trouve nuls. Je les trouve collants. Voilà. Je sais pas, ça fait... le stylo, bon, ça va un petit peu. Et les poudres, bon, c'est des poudres de qualité Action, hein, voilà. Donc, pour le prix, c'est le prix du pistolet, hein, voilà, c'est le prix du pistolet. Donc, vous avez quand même, avec donc, les tampons, vous avez un petit paquet de cartes. Donc, bon, vous n'êtes pas perdant sur le prix, on va dire. Parce qu'il y a quand même le pistolet chauffant. Mais vaut mieux que vous rachetiez une encre spéciale d'embossage, pardon, pour faire du beau travail avec. Voilà. Je me remets en face pour vous faire ma conclusion. Donc voilà. Bon, comme j'ai dit, c'est pas un flop. C'est moitié-moitié. Voilà. Non, l'encre pour moi elle est pas bonne. Je sais pas ceux qui l'ont acheté ce qu'ils en pensent, mais pour moi elle est pas bonne. Les poudres, elles font leur job pour débuter, voilà. Mais il faut que, une fois que vous avez ça, pensez à acheter un pad d'encre pour embossage, pour faire du bon travail, voilà. Parce que sinon, ça va faire des pâtés, et puis voilà. Mais... Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on verra à l'usage combien de temps il va durer aussi. Mais bon, moi, j'en fais pas tous les jours, donc on verra. Donc voilà, c'était ma petite vidéo Action, mon petit retour d'Action, puis en même temps vous dire mon avis sur ce nouveau kit qu'ils ont sorti. Je pense que je ne vous ai pas dit le prix, je ne sais plus. Alors, non, je ne vous avais pas dit le prix, c'était 12,99 € pour ce kit. Voilà. Quoi dire de plus? Rien. Voilà, c'est le prix du pistolet. Voilà. Le reste, l'encre, pour moi, elle est nulle. Vous récupérez les tampons, c'est super. Des cartes, très bien. Les poudres, voilà, ça va à peu près, mais l'encre, niet. Pour moi, l'encre est nulle. Le stylo, à la rigueur, ça va. Mais les pads d'encre, pour moi, non, ils sont pas du tout bons. Donc voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure avec plein de belles choses comme d'habitude. Ciao, à bientôt, bisous bisous.